Eh bien, salut tout le monde, c'est Abixel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de notre Let's Play sur Kingdom Hearts. Donc moi, ça va plutôt pas mal, et donc au dernier épisode, on s'était arrêté à l'Olympe, si je ne m'abuse, je pense que c'est ça. C'était le monde de l'Olympe, je sais plus trop le nom, enfin il y avait un nom où il y avait l'Olympe dedans, donc moi je dis l'Olympe. Alors je vois qu'il y a un coffre au fond, donc on va tout de suite le prendre. Et on va voir ce que réserve ce monde qui m'a l'air plutôt sympathique. Alors il y a une marque blanche, je ne sais pas ce que c'est, on verra ça plus tard à mon avis. Donc c'est parti, on va prendre le petit coffre qu'il y a là, hein, bien évidemment. Toujours prendre les choses qu'il y a là, donc je suis plus trop malade, hein, ne vous en faites pas. C'est parfois vous pourrez peut-être entendre des essoufflements qui, je sais, sont horribles, mais bon. J'essaye de faire au mieux pour que vous entendiez pas. Alors, on était passé par là et donc on va passer par le devant. Alors je pense que dans ce monde il n'y a rien à faire, donc on va aller dans le hall, enfin rien à faire dans le sens où il n'y a pas d'énigme. Ah, fermé. Ok, qu'est-ce que tu vas nous dire toi? Parlez. Tu tombes à pic. Donne-moi un coup de main. Déplace ce socle là-bas, tu veux bien? Je dois préparer cet endroit pour les œufs. D'accord, donc si tu veux, hein. Ah, donc ouais, il aimait bien une sauvegarde ici, j'aurais peut-être dû lui parler dans le dernier épisode, mais enfin bon, c'est pas trop grave. On va sauvegarder, bien évidemment. Hop. D'ailleurs, je sais pas si c'est le 10e épisode, de toute façon, je mettrai une petite annotation, comme quoi c'était le 11e ou 9e épisode, hein. À chaque fois, je ne sais plus trop les épisodes. Alors, ça, il faudra le bouger, on va le bouger tout de suite, d'ailleurs. Alors, comment on va le bouger? Est-ce qu'il faut être à 3? Examiner. Fermé. Très bien. Est-ce qu'il faut sortir? Bon, on va sortir. Je ne sais pas trop si c'est ça. Mais en tout cas... Bah, il n'y a rien, donc on revient. Mais... Je vous ai dit de bouger un truc. Dépêche-toi de remettre de l'ordre. Moi, je m'occupe des préparatifs du tournoi. Ça doit être facile pour toi. Effectivement, pas trop en fait. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Ah, c'est bon. Je veux bien le bouger, hein, le... Tu nous parles de la magie, c'est ça? Je sais pas. On va examiner. Fermé. Dépêche-toi, je vais remettre de l'ordre. Moi, je m'occupe des préparatifs du tournoi. Ça devrait être facile pour toi. Ouais, ça, je sais, mais... À moins que je suis bête, mais... Je ne pense pas. Ah, peut-être qu'il faut faire ça. Examiner. Mais allez, examine. Il veut pas examiner. Qu'est-ce qui se passe si on l'éteint? Ah ouais, on va l'éteindre. Donc je pense qu'il faut faire magie. Glacier. Mais... Alors, il faut être devant, évidemment. Bon, ça ne marche pas. On va faire trio pour voir ce que c'est, ça. Ok. Et qu'est-ce que ça nous fait? Bah, tout le ballon, ça coffre. Très bien. Un petit coffre qu'on récupère, bien évidemment. Bout de myrtille. Très bien. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas. On peut pas faire ce trio. Ah, là, on peut faire. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Trio. Qu'est-ce que ça nous donne? Un petit coffre aussi. C'est sympa. On l'ouvre. Ah, on a trouvé des dalmatiens, c'est cool. Donc les dalmatiens, il va falloir tous les trouver. Il en manque, hein, il en manque, je sais qu'il en manque. Il en manque dans le pays des merveilles qu'on n'a pas fait. Et aussi dans Tarzan, je pense. Donc du coup, bon. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Très bien, qu'est-ce que c'est que ça? Une autre marque. Une autre marque qu'on ne peut pas utiliser. Je pense qu'on verra ça plus tard, hein. Franchement. On verra ça plus tard. Putain, ça me... Bah... Examiner.
Qu'est-ce qui se passe si on l'éteint? Comment veux-tu que je l'éteigne? Alors, je vais me permettre une petite courte ellipse et je vous reprends juste après parce que là je ne sais pas trop ce qu'il faut faire et c'est un peu la merde. Donc je vous fais une petite ellipse. Allez, ellipse. Bon, bah j'ai rien trouvé mais c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait pousser ce fucking truc. Donc c'est ce qu'on va faire. On va pousser ce bloc. Enfin, on va essayer de le pousser. Donc, ah ouais, c'est vrai, il faut peut-être le pousser. Ah bah comme ça. Ah mais je suis bête hein. Alors là, de toute façon, bon ça va, j'ai pas eu trop de... Ça pèse une tonne. Ah bah effectivement, oui, ça pèse une tonne. On n'est pas Hercule hein. Oui, parce que ça fait référence quand même à Hercule, le truc. Donc c'est le Colisée de l'Olympe, hein, j'ai vu sur internet. Et non l'Olympe. Donc ça pèse une tonne, on peut pas bouger ça. Hein. Comment veux-tu me faire bouger? Allez. Bien trop lourd. Quoi? Trop lourd? Ha, mais depuis quand t'es devenu une... Oh, t'es qui toi? Je t'avais pris pour quelqu'un d'autre. Ici, c'est le célèbre Colisée, réservé aux héros. Et je suis débordé avec les préparatifs des jeux. Alors du balai, Minus! Écoute, c'est comme ça. Des héros viennent des quatre coins du monde pour combattre des monstres féroces ici, dans le Colisée. Justement, tu vois pas un quatrième héros devant toi? Ouais, c'est un vrai héros, le maître de la Keyblade. Mais un quatrième héros, nous aussi. Un héros? Ce Naboo? Qu'y a-t-il de drôle? J'ai combattu une bande de monstres. Si tu peux pas bouger ça... Tu peux pas prétendre être... Un héros. Ah d'accord, ça demande plus que du muscle. Bon, voyons de quoi tu es capable. Il s'est foutu de notre gueule. Et voilà ce qu'il arrive, il arrive pas à pousser le truc. Hein. Non mais oh, hein. Il faut se calmer, hein. Moi je vais te détendre, tu vas voir. On est des héros, on est des malades, on est des malades mentales. On vient de finir le monde de Tarzan qui était quand même assez chaud, qui était au moins 3 levels au-dessus de ton truc là. Alors oh, tu te calmes. Alors, on va te parler. Voir quand même. Cette épreuve est difficile, tu sais. Tu es prêt? Bah oui, bien sûr, on est toujours prêt, nous, on est des malades. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, petit, voyons de quoi tu es capable. Mais bien sûr. Les règles sont simples. Casse tous les tonneaux dans le temps imparti. Prêt? C'est parti! Ok, très bien, il faut casser les tonneaux. Je pense que c'est pas trop compliqué. Dans le temps imparti, donc il y a un temps imparti. Casser celui-là. Oh putain, si on tombe, on est dans la merde. Moi je vous le dis clairement, faut pas tomber. Oh non, et voilà, on a pas. Non, on a pas assez. Pas question, j'abonne pas, question apparemment. D'accord, c'est parti. Bon, on recommence, hein, je. J'ai eu quelques coups sous sa rail. J'ai eu du mal à parler, c'est pas trop grave. Là, on va le faire. Moi, je vous le dis, on va le. Qu'est-ce qu'il y a? On est des machines. Qu'est-ce qu'il y a? On est des machines. Alors, si j'arrive pas à celui-là, je me coupe une jambe, même si, voilà. Pas mal, pour un débutant. Quoi? Tu nous prends pour un débutant? Non mais qu'est-ce qu'il y a? On est des machines, nous, on est des malades. Les règles sont simples, ok, blablabla. Toujours casser les tonneaux, hein, bien sûr, bien évidemment. C'est normal, il faut casser les tonneaux. Ils sont comme ça, eux. Ah! J'ai fait l'imbécile. Allez, je fais de mon mieux, mon gars.
Oh merde. Oh shit. Qu'est-ce qu'il y a? Il en reste encore? Oh non, me dites pas que... Oh non, mais ils sont sérieux là? Je veux bien croire qu'on est des machines, mais quand même. Ah putain. Il faut à tout prix que je... Ah! Ah! C'est sérieux là? Bon, je vais recommencer, je pense. Hein. Désolé, le temps est fini, pas question. Ok, très bien. En plus, on avait oublié un truc, putain. C'est horrible, cette maniabilité. Pourtant, je joue sur une manette assez sympathique. Mais là... Mode concentration. What the fuck, ça a été fait? Oh putain, on a des machines. Ah, par contre, si tu commences à déconner, ça va pas le faire. Là, on l'a enfin fait. Tu es plus fort que je le croyais. Putain, c'était chaud. Tu sais, t'es pas mauvais, petit. On dirait que je suis sélectionné pour les jeux. Ça, je ne crois pas. Pourquoi? En deux mots, vous n'êtes pas des héros. Allez! Comment ça, on n'est pas des héros? Si, on est des héros, putain. Tu veux être un vrai héros? Commence par maîtriser ce sort. Quel sort? Essence du tonnerre. Appris foudre. Oh. Très bien. On va sauvegarder quand même au cas où. Que aussi ça plante, n'est-ce pas? Parce que dans le dernier épisode de Shadow Flight, bien sûr, ça a coupé. Et voilà. De toute façon, vous l'avez pas vu, mais j'ai dû refaire l'épisode à cause de ça. Voilà, ça m'a saoulé. Désolé. Je peux pas te laisser encore participer au tournoi, mais je peux être ton entraîneur. D'accord. S'il te plaît. La cour facile. Bravo, petit. C'est la clé de la victoire. Très bien. Alors, c'est les... Oh non. Non. Clairement, non. Je vais regarder un peu ce qu'il faut faire. Alors. Ok, donc très bien, il faut pas lui parler. Il faut sortir de là. Ce vieux bouc est têtu comme une mule, tu trouves pas? Et là, une seconde, mon ami. Laisse-moi deviner, tu veux participer au jeu, c'est ça? Eh ben dans ce cas, prends ceci et hop. Oh, une entrée! C'est pour toi. Bonne chance. Je parie sur toi, mon petit bonhomme. Ouais, mais ça, lui, je sais pas, mais il m'a l'air très suspect. Hein. Ça a l'air d'être un ennemi hein, de Disney, donc j'aime pas trop. Et en plus, sa façon de parler et tout, ouais, il fait son gentil, mais bon, il a l'air pas très gentil. Voilà, on a un billet maintenant, on peut participer, mais il était quand même bien sympa, il nous a donné un billet. Eh, où tu dois trouver ça? On peut participer au tournoi maintenant? Bon, d'accord. Commençons par les éliminatoires. Prêt pour les éliminatoires? Oui, allons-y! Certains participants sont de vrais phénomènes. Tu ferais bien d'être prudent. T'inquiète, ça gère. Qu'est-ce qu'il y a? On est des fous. Colisée de l'Olympe, éliminatoire. Premier match, éclaireur des ténèbres. On gère. Il en manque. Ah, il bouge. Il bouge pas, voilà. Tu n'es pas encore un héros, mais tu t'en sors pas mal. Une chance que tu m'aies pris comme un entraîneur. Ouais.
Ce qui suit là, mon petit homme, me dit qu'il va être dur à battre. Tu l'affronteras peut-être, qui sait. Lui, il me fait penser à Cloud, ou c'est peut-être Cloud de Final Fantasy. Deuxième match. Ok, très bien. Ah mais arrête de... Allez là, je suis concentré, c'est pour ça que je parle pas trop. Avec crève. Voilà. Hé hé. Troisième match, feu et glace. Ok, c'est parti, mais... Aïe, oh, par contre là, on est pas... Je suis un peu dans la merde. Faut que je retrouve ma vie quand même. Ah, mais un petit coup de vie, ça serait plutôt pas mal. Ah, mais c'est vrai, j'ai la magie soin. Ah, c'est vrai, j'ai la magie soin, j'avais complètement oublié. Par contre, je suis désolé si ça bug. Il y a eu un petit bug à la cinématique, mais rien de trop de grave, mais bon. Est-ce qu'on peut faire magie? Ok. Ouais, ouais. Bon, on va passer maintenant au boss qui est Cloud. Enfin, je pense que c'est Cloud. Tu es plus fort que je ne le croyais. Dommage qu'il ne soit pas là pour voir ça. Qui? Hercule, le plus grand des héros. Il est allé rendre visite à son père. Hercule. Quatrième match, l'escouade des ombres. Ok, très bien. Alors, je vois pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils foutent là. Mais normalement, c'est pas ça le vrai Colisée, hein. C'est eux qui se sont incrustés dans le Colisée. Voilà. Mais allez crever, bordel de merde. Wow, wow, wow. Tu crois faire quoi, toi? Tu crois faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dégage. Ah, putain. Ils sont deux encore, salaud. C'est bon. Yeah! On est des malades! Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Cinquième match, vengeance bleue. Par contre, attends, on va juste prendre un peu de soin sur Sora. Voilà! Un peu de soin, ça fait plutôt. Ah putain. Putain, il y en a encore combien comme ça? Putain. Des lags. Mais c'est rien. Aïe, mais salaud pourri. On va juste prendre encore un soin. Ah! Tu peux pas me laisser quand je fais mon soin. Voilà, très bien. Ah, mais salaud. Allez, putain. Voilà. C'était chaud. Mais on y est arrivé. Yeah, la danse de la victoire, ma gueule, qu'est-ce qu'il y a? Ce Salmon est ton prochain adversaire, pigé? Alors pas de fausses notes, massacre-le. Le grand dieu des enfers a peur d'un gamin? Désolé, mais mon contrat stipule... Je sais, pour qui tu me prends? J'ai rédigé le contrat, et il est stipulé que tu dois tuer Hercule pendant ce tournoi. Mais pour l'affronter, tu dois d'abord battre ce gamin, pigé? C'est comme disait le vieux Book, règle numéro 11. Ça n'est qu'un jeu, alors lâchons-nous et amusons-nous. Un blessé par-ci par-là, c'est pas si grave, pas vrai? Fou. Encore plus teigneux que les teigneux de l'enfer. Enfin, les imbéciles comme lui ne sont pas légions. Ok, donc bon, lui va nous affronter plus tard, je pense. Oh putain, je sens que ça c'est pas bon. Ah ouais. Ah, par contre là.
Allez, crève. Oh, putain, c'est chaud. Ah. Ah. Ah, mais salope. Ah. C'est bon. Bon, j'ai pas plus le temps de faire mon soin. Je voulais faire mon soin, mais pas plus le temps. Enfin bref. On a quand même gagné. Finao, Cloud. Ok, c'est bien Cloud. Oh, mon gars. Ouais, je prends un peu de soin, parce qu'on sait jamais. Oui, aïe. C'est pas tout ce que je sais faire. Mon... Alors là, mon gars... Oh, ils sont morts. Aïe. Non, 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 c'est pas tout ce que je sais faire. Qu'est-ce qu'il y a? On va... Tu vas mourir. Attends, il faut vite que je me soigne. Voilà, c'est bon. Un peu de soin. N'empêche, le soin, c'est efficace. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Un peu de soin, allez, go. C'est tout ce que tu sais faire. Allez, crève. Mais mince. Elle a pris un peu. Ouh là là. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Bon, il m'a tué. Oh. Ah oui, j'ai oublié une autre règle. Les accidents, ça peut arriver. Hercule! Phil, fais-les sortir d'ici! Ouf, on a eu chaud. Je sais pas comment ce qui s'est passé, mais... Waouh, donc en fait... Voilà, bon, Hercule nous a aidés, hein, tant mieux. Il y a eu trois têtes de chiens qui sont arrivées, et... Avec Cloud en plus, donc... On allait mourir, hein, c'était certain. En fait, il fallait pas le tuer. Il fallait rien faire. Donc bon, ça va, on s'est plutôt bien sorti, hein. On nous a aidés, donc c'était plutôt cool. Ouf, on a eu chaud. C'était Cerbère, le gardien des enfers. Hercule devait pouvoir le maîtriser. C'est bon. C'est pas sûr, ça s'annonce plutôt mal. Ouais, bah on va sauvegarder quand même au cas où. Toujours sauvegarder. Toujours sauvegarder. Ok, écraser ce fichier. Voilà, niveau 13, c'est cool, c'est sympa. Est-ce qu'on peut sortir? Ah, on peut aller par là. Tu ne comptes pas rentrer dans l'arène, tout de même. Ça ne plaisante plus, là. Tu risques ta peau. J'ai pas peur. Je vais attendre. T'as raison, restant dehors d'ici, tu n'es pas prêt à affronter le Cerbère. Ouais, mais attendez. Oh putain, je clique toujours sur le truc. Ok, faut retourner dans l'arène. Donc on va aller retourner dans l'arène. Si, ouais, si. J'ai pas peur. Tu vas voir si je suis pas un héros. Prudence, petit. Ouais, donc on va retourner dans l'arène. On va voir, tu vas voir comment on est des machines.
Petit, écoute-moi, j'ai deux mots à te dire. Attaque ! Non, ça ne fait qu'un mot, hein. Je suis désolé, mais attaque, ça fait qu'un mot. Et, oh putain, il y a eu une putain de lag de fou. Bon, là, clairement, on est un peu dans la merde. Je vais prendre un peu de soin. Je vais faire pause parce que j'ai envie de voir comment on le bat, ce boss. Comment bat-on ce boss ? Il faut mieux... Le mieux est de rester collé au boss pour éviter les problèmes d'énergie. Ok, il faut rester collé au boss. Donc, je pense que ça peut le faire. Aïe, aïe, bon, ça va pas le faire. Un peu de soin. Ah oh. Allez. Putain, on est un peu dans la merde. Un peu de soin. Wow. Va falloir se calmer. Allez, montre ta tête. J'ai eu des plus grosses que toi, mon gars. Donc qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Nous tuer? Ça me le parle. Oh non, je suis mort. On réessaye. Oh non. Faut encore passer la cinématique. Ils sont sérieux avec ça là. Hein. Tu veux pas rentrer dans l'arène? Si, 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 je veux. Balance petit. En plus, on peut même pas passer la cinématique. C'est n'importe quoi. Je peux faire pause, hein, mais pas passer la cinématique. Allez. On lui se casse. Écoute-moi, j'ai deux mots à te dire. Ça fait qu'un seul mot, hein, je te le répète. Mais bon, si tu veux pas m'écouter, hein, après, c'est ton problème. Ah mais, c'est saoulant la caméra, saoulant. Je vous le dis honnêtement. Ah, punaise. Voilà, on prend un peu de soin. Encore un peu de soin. Oula, ouf. J'ai bien fait d'éviter ça. Allez. Reçoin. Mais merde, comment on fait? Ah mince. Quand veux-tu que je l'attaque? Je m'en fous du Locon. Ce que je veux, c'est bouger la caméra. Attends, la caméra me fait je sais pas quoi là. Ah, je sais pas ce qu'elle me fait la caméra. Allez. Oh non.
Bon, je pense que je vais vous faire une ellipse et on se retrouve après la fin du boss. Oui, je vous fais tout le temps des ellipses. Lop. Pendant les boss, mais bon, c'est ça qu'il faut faire. Donc allez, une ellipse et on se retrouve après la fin du boss. Allez, ellipse. Bon, donc je pense que c'est bon là. On l'a enfin tué après avoir fait, encore fait 5 essais. C'est pas aussi pire que celui dans Tarzan, mais c'était assez chaud. Donc voilà, on l'a enfin gagné. Et je vous laisse apprécier le truc. Boum! Gagner souffle de l'enfer. Ainsi, je vous proclame apprenti héros et confère à chacun de vous tous les droits et privilèges de participer au jeu. Par ailleurs, vous. C'est quoi ça, apprenti héros ? Vous n'avez toujours pas les qualités requises pour être de vrais héros. Ah bon, et c'est quoi ? Eh bien, c'est quelque chose que vous devez découvrir par vous-même. Exactement comme je l'ai fait. Pas de problème. On aura l'occasion de faire nos preuves pendant les jeux. Il n'y aura pas de jeu avant un bon moment. Je dois d'abord nettoyer la pagaille du dernier combat. D'accord, on reviendra. Je n'arrive toujours pas à croire que ce Nabo ait réussi à vaincre le Cerbère. Phil, entre nous, j'avais déjà épuisé le Cerbère avant que le gamin n'arrive sur les lieux. Motus et bouche cousue. Gagner l'essence de héros. Très bien. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est... Putain. Il y a un truc là-bas. Est-ce qu'on va avancer? Je ne sais pas, je vais regarder. Intermonde 4, parler à Cloud. Ok, on va aller lui parler à Cloud. Allez. Il est juste devant. Eh, ça va aller? Ouais. Mais, franchement, pourquoi tu t'es associé avec lui? Je cherche quelqu'un. Hadès avait promis de m'aider. J'ai essayé d'utiliser le pouvoir des ténèbres, mais ça a échoué. J'ai chuté dans les ténèbres. Je ne voyais plus la lumière. Tu la trouveras. Moi aussi, je la cherche. Ta lumière ? Ne la perds pas de vue. On fera la revanche une autre fois, mais dans les règles, sans les forces obscures. Tu es trop fort pour moi. Sera appris à Killion. Ok, très bien. Donc je pense que on va s'arrêter là pour ce 10e épisode de Kingdom Hearts. Donc on va revenir au hall et on va sauvegarder. Et puis dans le prochain épisode, on ira au prochain level ou prochain monde. Donc on va aller sauvegarder. Hop, on a parlé à Cloud, donc il nous a donné un truc et il nous a dit j'ai respect ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Donc on est au level 14. Ouais, level 14, on a level up. Donc c'est plutôt sympa. On s'arrête ici pour le 10e épisode de Kingdom Hearts sur le monde Colosseum, Colisée de Colosseum, je sais plus trop ce que c'est. Alors ça, les marques, on ne sait toujours pas ce que c'est, hein. Façon de dites-moi dans les commentaires ce que c'est. Et puis, je prendrai part si vous me disiez ce que c'est. Donc, je pense qu'on va se laisser là. J'ai sauvegardé, etc., etc. C'était plutôt sympathique. Mis à part que j'ai failli péter un câble, encore une fois, sur le boss Cerber. Parce que sur les boss, c'est vraiment horrible. Ils sont hyper chauds. Wow, j'ai cru que j'allais mourir. Bref. Bon, je suis mort plus d'une fois, mais voilà. C'était assez chaud. Bref, je pense qu'on va se laisser là pour ce 10e épisode de Kingdom Hearts. Et je vous donne rendez-vous pour le 11e. Ou c'est peut-être le 10e, je ne sais plus. Ou c'est peut-être le 9e épisode. Peut-être que je me trompe. Donc voilà,
Donc d'ici là, portez-vous bien pour le 11e, si je ne me trompe pas, ou 10e épisode de Kingdom Hearts. Et je vous dis à très bientôt. C'était l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager la vidéo et à la commenter. Bien évidemment, ça me fait toujours plaisir que vous commentiez une vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et c'était l'épisode. Allez, bye bye.